Salut, donc on se retrouve pour une vidéo. Alors je me suis dit, j'ai commencé un gros ménage, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo ménage. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà commencé à frotter les meubles. Donc j'ai utilisé du produit multi-usage où j'ai vraiment laissé agir. J'ai mis le produit dans les toilettes, j'ai mis le produit dans l'eau de Javel, dans la poubelle de la cuisine qui se trouve dans la baignoire, comme ça trempe. J'ai mis de l'eau de Javel sur les carreaux de ma salle de bain et le l'évier. Là, je suis en train de mettre du décap four un peu partout et j'ai nettoyé la grande chaise. Et maintenant, je vais aspirer le four parce qu'il y a des miettes et je veux vraiment que le four soit nickel. Donc, c'est parti, j'aspire. Voilà, donc là tout est rangé, tout est nickel. Voilà, ça je le laisse dehors pour qu'il sèche à l'air libre, sinon ça va faire de la moisissure sur le bois. Là je vais ranger maintenant les goûters et je vais plier le linge du sèche-linge et passer l'aspirateur. Et on sera OK pour la cuisine. D'accord. Oui, j'ai aussi nettoyé le micro-ondes à fond et l'assiette, je l'ai mis dans le lave-vaisselle. Je vais refaire tourner un lave-vaisselle, mais en tout cas, voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, pour l'instant, c'est bon. Voilà, c'est tout propre, l'aspirateur a été fait. Je ferai juste les sols tout à l'heure en dernier pour tout l'appartement. Ok, on est bon pour la cuisine. Maintenant, je vais plier tout le linge du sèche-linge. Les deux étendoirs se trouve là, je les ai déjà pliés ce matin et maintenant je vais plier ça, ranger le linge et étendre la machine que je viens de faire et en refaire tourner une autre. Voilà, donc c'est parti, on va plier ceci. Bon, j'ai plié tout le linge, maintenant il y a tout à ranger dans les armoires. Donc on fait ça. Et maintenant que tout est rangé, ma machine est terminée, donc je l'étends. Voilà, donc l'étendoir, j'ai pendu tout mon linge. J'ai fait tourner l'autre machine pendant que je pendais ce linge. Maintenant, on continue dans ce coin-là. Je vais nettoyer à fond les toilettes. Ouais, on y va là. On va faire à fond les toilettes. Donc, j'ai déjà mis le produit pour que ça agisse. Maintenant, il me reste à frotter, à tirer la chasse d'eau et à mettre une pastille d'eau de Javel pour bien nettoyer. J'utilise aussi ça pour me mettre sur la cuvette. Et le papier toilette pour nettoyer correctement tout ça. Voilà. Parce que oui, les chiottes, ça se lave tous les jours. Obligé. Donc on fait ça correctement et là tu vois ça sent bon le propre. Il sent bon celui que je viens de te montrer. Voilà, donc là je tire la chasse d'eau une première fois. Là parce que j'ai nettoyé toute ma surface de la cuvette. Donc je tire ma chasse d'eau. Là je viens prendre ma brosse. Hop. Et je viens frotter parce qu'il y avait de l'eau de Javel qui a... du produit qui a agi. Donc là, il reste juste à frotter. Voilà. Ensuite, il faudra retirer la chasse. Voilà. Super. Voilà. Pour la chasse.
Et ça, je vais foutre dans l'eau de Javel. Voilà. Voilà, donc là, mes toilettes sont hyper propres. Et j'y mets une tablette pour agir maintenant qu'il n'y a pas les petits. Et comme ça, hop, ça va tremper au fond. Tac, et ça va tout désinfecter. Hop là. Voilà, et on va se rincer les mains parce qu'il faut. Ensuite, je nettoie la tablette. Donc là, on pose des livres, le téléphone, la petite poubelle. Donc hop, on met du spray et on frotte. Voilà, il faut enlever la poussière. On frotte. Voilà, hop. Voilà. La poubelle aussi. Pour l'instant, il n'y a rien dedans parce qu'elle est vidée. Nickel. Le produit désinfectant main sur la tablette en haut, le porte-téléphone, oui, parce qu'on aime bien regarder des trucs. Dans le temps on lisait, hein, y avait des magazines. Moi je sais que dans le temps aux toilettes je coloriais, je faisais du maquillage sur les couvertures de magazines aux gens, c'était bien. Et là hop, on a le téléphone. Alors on a un support téléphone dans les toilettes et un rouleau de papier laissé ici. Voilà. Sinon, on a celui-là. Mais là, les petits s'amusent à me dérouler le papier toilette. Donc, voilà. Ça. Là, je vais le sortir de toute façon parce que je vais aspirer dans les toilettes. Et on fera les sols à la fin, comme pour la cuisine. Bon, les toilettes, c'est vite fait. Parce que c'est pas une grande surface, quoi. Bon, voilà, là, c'est aspiré, nettoyé et tout. Là, j'en ai profité pour aspirer aussi la salle de bain, vu que c'était à côté. J'ai désinfecté la table allongée de mon bébé et je vais lui changer la housse du matelas. Je vais la mettre au sale. Désinfecter tout... Bah, j'ai déjà désinfecté tout son meuble. Et maintenant, maintenant, je vais lui changer ça. Ouais, là, c'est propre. C'est bon. Là, c'est tout fait. J'ai juste à changer sa housse et puis on est bon pour ce coin là. Et après il me restera le salon à faire, le plus long quoi. Alors du coup dans la salle de bain j'ai passé un coup sur la machine, j'ai nettoyé l'évier, j'ai nettoyé les miroirs. Voilà, là-bas j'aime acheter une boîte pour mettre les lessives etc. Mais ça plus tard. J'ai passé l'aspirateur. Et il faut que je rince après la poubelle qui est pleine d'eau de Javel encore. Donc là, le coin ici est fait, sauf dans la baignoire que je ferai en dernier, comme il y aura le seau de ménage. Là, maintenant, je vais passer l'aspirateur. Ici, le coin de mon bébé est aussi terminé. Voilà, je mets toujours un petit gant de toilette là. J'avais mis un crochet. Donc voilà, je vous donne les astuces après, normalement, de tout ce que je fais pour mon appartement tout à l'heure, à la fin, si j'ai encore de la place dans mon téléphone. Maintenant, il est quand même 13h passé, 13h15, donc je vais quand même prendre une mini pause. Je vais manger un petit peu de pain avec du blanc de poulet et de la vache qui rit pour reprendre un tout petit peu de force. Et je continue la deuxième partie tout à l'heure. Voilà, donc là, il est 13h25 et j'ai de nouveau attaqué. Donc là, je vais nettoyer le sac d'école d'Alessio vu que c'est un long week-end de Pâques. Enfin... on est dimanche, donc il reste lundi de Pâques, mais le sac d'école sera sec. Donc là, je vais commencer avec la raclette à faire un tas. Parce que comme c'était Pâques, j'avais fait avec de la paille un nid pour le lapin de Pâques. Donc ça, je vais mettre au garage de nouveau le panier et le foin. Et là, je vais nettoyer mon couloir. Voilà. La litière de Grisou a été faite. J'ai oublié de vous le dire aussi. J'ai nettoyé la litière de Grisou. Et voilà, donc je fais juste encore cette allée là et ensuite on attaque le salon où il y a beaucoup de travail. J'en ai profité pour allumer aussi une petite bougie vu que c'est Pâques et celles-ci elles sont trop bon. Voilà. Bon, maintenant je fais la chambre, je vais changer les draps. Donc j'ai enlevé tous les draps et là je vais mettre du spray désinfectant sur le matelas parce que j'aime bien aussi désinfecter les literies. C'est très important. Donc voilà. Donc là, j'attaque
j'aère ma chambre et j'aspire le matelas. Voilà. Et je viens mettre ça, désinfectant textile, textile sans javel, désodorise. Donc voilà. Et je sais plus, mais il y avait marqué antibactérien, je sais pas quoi là. Et j'aime bien celui-là. Donc hop, je vais faire mes matelas. La chambre à fond aussi. On terminera par le salon. Et le salon, c'est le truc le plus long en fait. Ok, bon, allez. On s'éparpille pas, on fait le matelas, on termine. Voilà, donc là j'ai changé les draps de tout le monde. J'ai mis aussi du désinfectant, tout est propre ici. Bon, le salon c'est hyper long. Hein. J'ai fait une machine, là j'ai tous les draps à laver avec le doudou et tout et tout et tout. Là, hop, c'est propre ici. Voilà quoi. Maintenant je vais faire quoi? Je dois étendre cette machine là, elle est mouillée. Donc je dois l'étendre encore sur l'autre étendoir. Cette machine là ira au sèche-linge, j'ai pas le choix, je pense. Avant de prendre le linge, je voudrais trier cette caisse à jouets, les caisses à jouets des enfants. Et ensuite, je vais faire plus que les soldes ici. La chaise, là, je l'ai nettoyée. Et il restera la table, mais la table, je fais des créas en ce moment. Donc voilà, pour le moment, c'est comme ça. Mais là, je veux vraiment tout trier. Ça me tient à cœur. Donc avant de prendre l'autre linge, je vais ranger un peu ce coffre que je puisse le fermer et voir plus clair. Donc c'est parti. Là, j'ai une bassine où il n'y a rien, c'est vide. Voilà, et là, je dois ranger les animaux de la ferme, du coup. Et ça, il y en a un peu partout. Donc voilà, c'est parti. Le rangement de ce coffre que je fais toutes les semaines, en fait. Je fais le tri de ce coffre toutes les semaines. Alors ça, c'est chez Léo. Voilà, là, il y a les animaux de la ferme. J'avais acheté cette caisse exprès pour ranger les animaux de la ferme. Pour que au moins ça ait un sens. J'aime bien quand tout a un sens. Ça va avec le bébé. Ça aussi. Ça va dans le bac à glace. Celui-là, il faut que je retrouve le couvercle. Il est cassé. Ça, c'est un autre jouet. Voilà, ça va chez Léo. Hop. Non mais il y a déjà une mouche qui est rentrée, j'hallucine. Je vais fermer les fenêtres. Ouais, donc je disais, j'ai fermé une fenêtre, mais il faut qu'elle sorte. Donc je vais laisser celle-là d'ouverte. Donc j'aime bien quand tous les jouets sont triés et rangés. Ordre par ordre, quoi, en fait. Là-dedans, il y a les marionnettes pas de patrouille. Ok, ça c'est là. Ça c'est le crabe, il a ses pinces. Là, il y a un cheval qui va dans les animaux. Vous voyez la petite caisse animaux. Voilà. Et là, on a ça. Ça, il faut réparer là. Hop. Vous voyez, et j'ai des missions comme ça à chaque fois. Je dois trier, ranger leurs trucs. Ah bah ça va avec un truc de burger. Hop, on va voir. Ça, c'est le dinosaure de Léo. Ça, c'est des petites voitures. Comme ça. Où il faut les assembler. Donc ça va chez Léo. Là j'ai une carcasse par exemple. Donc il faut trouver, vous voyez ça va chez Léo. Je vois pas pourquoi c'est dans la caisse d'Alessio. Ça va chez Léo. Bon, même si maintenant ils partagent, ça je vais mettre à la poubelle. Même si maintenant ils partagent leur coffre à jouets, leur caisse à jouets, ils ont à peu près les mêmes jouets. J'aime bien quand même avoir une caisse chacun quoi. Ça c'est tout ce qui est docteur, outillage, coiffure. Voilà, donc là il faut pareil que je mette ça. Et d'ailleurs là aussi c'est docteur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une piqûre. Ok, donc là c'est les deux trucs de docteur. Là c'est la voiture téléguidée. Ça fait partie du docteur. Et j'aime bien que ce soit clair, net et précis. Ça va chez Léo. Ça et ça va ensemble. Voilà, les petits logos. Et ça ira chez Léo. Le tracteur, il va chez Léo. Ok, ça va avec la crème du docteur. Ouh, ça va dans les cubes. Ça va chez Léo. Ça, c'est bon. Ça va là, chez le coiffeur. Et une fois que tout est trié, ah ben voilà, il me manquait ça pour terminer la boîte.
Hop. Donc là, il y a le burger. Et j'ai posé le pain tout à l'heure, je ne sais plus, là. Donc normalement, il est complet. Hop, et je vais le ranger dans sa boîte. Là, c'est pareil, les petites assiettes, ça va dans le panier pique-nique. Donc on va prendre tout ce qui est truc de pique-nique. Hop, et ça va dans ce panier à pique-nique. Voilà, il faudrait que ce soit complet. D'ailleurs, ça, vous voyez, ça, ça n'a rien à faire là-dedans. C'est le camion, donc on va trouver l'autre pièce après, on le met de côté. Alors là, j'ai une assiette avec le triangle, le carré et il me manque le rond. Il me faut une deuxième assiette parce que j'ai le triangle carré et j'ai pas le rond. Et j'ai pas l'assiette non plus. Ouais, c'est du tri quoi. Alors ça, ça va chez Léo. Les petites voitures, le bonhomme, il va avec ce truc. Ça, ça va là. Ça, ça va dans le camion normalement. Non, c'est pas lui. Lui, ça va être une voiture. Ok, donc ça. Là, il y a des marionnettes, pas de patrouille, ça va chez Léo. Là, j'ai trouvé ça. Ça, c'est ça. Hop, il faut remettre. Hop, c'est bon. Ensuite, ça, le Lego, il va avec le pompier. Là, c'est le ballon. Ok. Ça, c'est des Lego aussi. Pompier, là, tac. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est chez Léo. Ça, c'est un truc du docteur. Du docteur, ça c'est le jeu, ça ça va avec le canon remorque, ça c'est chez Léo. J'aime trop tout trier. Ça c'est la boîte du burger, voilà. Donc maintenant tac, on va pouvoir ranger le burger. Hop, voilà. Moi je continue comme ça et voilà. Bon voilà, c'est trié, le coffre est fermé. Il est propre et du coup il me manque des choses. C'est bizarre parce que c'est pas sous les meubles, etc. Donc il me manque des petites choses. Donc je sais pas, je vais peut-être aller voir là-bas sous le canapé. En tout cas c'est pas grave. Là je vais déjà faire cette partie là en aspirateur. Donc je vais monter le lit sur le canapé et je vais passer l'aspirateur là-dessus. Voilà. Comme ça, ce sera déjà fait cette partie là. Je suis morte, je suis carrément morte, vous me croyez? Là j'ai fait tout l'aspi, donc là l'aspi c'est terminé, j'ai tout rangé, tout nettoyé, maintenant il me reste à pendre le linge. Là je vais ranger l'aspi parce que j'en ai plus besoin. Bon, je commence à voir le bout du tunnel. Donc là la cuisine on l'avait faite à fond tout à l'heure, même j'avais commencé en live. Là je suis en train de sécher un drap, là j'ai changé les draps housse de couette. Ici aussi les draps d'Alessio, maintenant il me reste juste encore mettre au sèche-linge le drap d'Alessio. Là en tout cas c'est bon, c'est nickel aussi. Les toilettes on les avait fait aussi ensemble, c'est nickel. La salle de bain il me reste à trier les médicaments, ça je le ferai une autre fois. Et il me reste deux machines à faire, la poubelle à nettoyer. On en voit le bout, ici le coin il est nickel. Là, l'étendoir est fait. Ici, il faudra juste que je mette ça au garage. Et là, la bougie, elle est allumée. Le coin, il est dépoussiéré. La litière est faite. Le coin grisou, etc. C'est nickel. Là, il y a encore donc une machine, hein, j'avais dit. Et là, je suis en train d'étendre le linge. Les jouets ont été triés. Ici, c'est aussi les draps changés, etc. La poussière a été faite sur la télé. Et il me reste, là c'est nettoyé, et là bah, c'est le bordel parce que je suis en train de faire des créations, mais c'est propre, voilà. Donc j'étends mon linge, je fais tourner un sèche-linge, je remets la dernière machine, je nettoie la poubelle, les miroirs aussi ont été nettoyés, on fait un petit peu le tour, et puis c'est bon quoi. Je vois la fin car j'ai allumé des bougies, j'ai mis les sambons partout, j'ai bien aéré. Là j'attends cette machine qu'elle finisse pour trier qu'est-ce que je vais mettre au sèche-linge et qu'est-ce que je vais encore étendre sur mon étendoir. Et je fais tourner normalement la dernière machine
Voilà, le tri des médicaments, je ferai une autre fois. Le tri de l'armoire d'Alessio, je ferai une autre fois. Là, maintenant, je vais me poser, je vais allumer la télé et faire des créations quand j'aurai terminé le linge. Parce que tout est fait et il y a juste les sols à faire, encore la serpillière. Et après, c'est terminé. Voilà. Donc, une fois que tout est fini, tout le linge, je fais la serpillière des sols et on aura terminé. Voilà. Donc, ah oui, je vais rincer maintenant ma poubelle de l'eau de Javel là et je vais la remettre en place dans la cuisine. Voilà, donc j'ai bien rincé la poubelle et j'ai aussi nettoyé les carreaux parce que j'avais laissé de l'eau de Javel trempée. J'ai nettoyé ma baignoire et voilà, on est bon dans la salle de bain. Là, je vais laisser égoutter la poubelle avant de la ranger. Il me reste une machine à faire du coup. Ça, c'est des tâches de mouillé de la poubelle, hein, ne vous inquiétez pas. Là, c'est un sachet de médicaments qu'il faudra que je trie. Parce que j'ai toute l'armoire à pharmacie, donc à trier, ça ferait une autre fois, pas aujourd'hui, mais sinon on est au... Voilà, donc on continue, là j'ai dû mettre un sèche-linge, là je fais tourner, tac, la dernière machine, on est bon, ici c'est bon, ensuite bah, j'étends ce qui me reste à étendre comme linge. Ça va juste suffire. Le sèche-linge est en train de sécher. Après, il y a encore une dernière machine qui va aussi sécher. Et après, ben, on verra. Voilà, donc là j'attends que le sèche-linge termine pour faire le lit d'Alessio, vu qu'il y a le drap dedans et tout. Il y a le doudou de Léo aussi, donc le sèche-linge, voilà. J'attends que cette machine elle termine pour l'étendre. Les sols ont été faits. Je vais disposer du purificateur d'air dans tout mon appartement. Et j'ai la table là où il y avait plein de créations tout à l'heure. C'était le bordel, j'ai aussi rangé tout ça. Donc voilà, on est sur un appartement rangé, propre, c'est cool. Voilà! Vous voulez savoir quelle heure il est? Je vais vous le dire. Il est 16h17. Voilà, et je me suis presque pas arrêtée. Juste la pause que j'ai fait pour manger, vous avez vu. Mais sinon, je me suis pas du tout arrêtée. Et là, j'ai pas terminé, mais je crois que je vais couper la vidéo parce qu'il me reste 1 minute de mémoire sur mon téléphone. Donc voilà, comme vous le savez, il reste encore le lit d'Alessio à faire. La machine à étendre et c'est fini. Voilà. En attendant que le sèche-linge termine et que la machine aussi, moi je vais à la douche. Quand la machine est finie, je vais encore faire tourner un lave-vaisselle pour pas que les plombs sautent. Donc là, dans pas longtemps, puis je le rangerai. Voilà, donc moi j'ai terminé, j'étais à la douche, j'ai pas lavé mes cheveux parce que Clara va me faire des mèches. Donc j'étais à la douche, je me suis changée, je suis propre. J'ai étendu la dernière machine et du coup j'attends que le sèche-linge termine pour faire le lit d'Alessio et c'est fini. Ah oui, et le lave-vaisselle à ranger tout à l'heure et c'est fini pour aujourd'hui. Il est 17h17, j'ai fait 7 heures de ménage et rangement aujourd'hui. Voilà, ben, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, ciao!